Chers amis, voici en Italie, au lac Fosco. Temps magnifique, montagnes magnifiques, paysages magnifiques, tout est magnifique. Dans une semaine, nous sommes à Venise. Nous ne sommes pas pressés d'arriver. Le camp. Ah, le camp d'août. Tout un programme. Nous voilà partis au petit bonheur la chance. Le pays livre tous ses secrets à cette petite équipe de 10 amis, sa Codo. On passe partout, trouvant son gîte à la bonne hospitalité des autochtones. Des vacances pleines de liberté, quoi. C'est vrai qu'il faut savoir mettre un pied devant l'autre, mais ça s'apprend très vite. Ne pas trop se charger, sinon, tant pis, les garçons sont là pour prendre ce qui reste. Et en fin de semaine, toutes les équipes se rejoignent dans un même lieu pour prendre un repos bien mérité dans de vrais lits et mesurer leurs forces respectives dans de terribles joutes baptisées Olympiade. Malheur aux mauviettes. C'est le moment de faire preuve d'esprit d'équipe, de rapidité et d'ingéniosité. Surtout lorsqu'il faut transporter, sans aucun récipient, de l'eau jusqu'à une gamelle. Quel nom donne-t-on à la piste d'un cirque pour commencer cette émission? Oui, Luc. La piste? Ah non. Non, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre? C'est le manège. Un point. François se marque le premier point. Enfin, les deux premiers points, on va dire. Quel footballeur français ayant évolué à Saint-Étienne et au Paris Saint-Germain a remporté 5 Coupes de France? 5 Coupes de France.
Allons-y, Rodolphe. Dominique Rochaud? Non. L'Arquier. Battenay. C'est un Battenay. Dominique Battenay. Battenay. Oh. En peinture, quel mot italien désignant une ambiance vaporeuse qui adoucit les formes caractérise le style de Léonard de Vinci? Sfumato. Oui. Grisaille. Claroscuro? Non. Peinture, donc c'est le sfumato. Sfumato. Ouais, bien joué. Quel chapeau rond et bombé doit son nom à sa forme évoquant une culture mitassée, Rodolphe. Chapeau melon. Chapeau melon, bien sûr. Depuis 1803, quelle demeure romaine accueille l'Académie de France? Oui. Villa Farnèse? Non, non, vous savez, Laurence. Chocolat Médicis? Non, le Luc. La Villa Borghese? Non, non, Rodolphe. Villa Médicis? Oui, voilà la bonne réponse. Vous voyez donc. C'est la Villa Médicis qui domine Rome. Lors de la guerre de Troie, quel prêtre d'Apollon s'oppose à l'introduction du cheval de bois dans l'enceinte de la cité? C'est Laocoon. Cyrano. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Enfin, pour commander des pizzas. Les serveurs chez McDo, ça gagne combien? Non mais attends, tu vas pas aller travailler chez McDo quand même. Est-ce que tu te rends compte du plaisir qu'il y a à se servir directement dans la nature? Cueillir les carottes, la salade, elle se donne. Les tomates, se servir du lait directement au pied de la vache, comme au robinet. Là, il n'a plus. C'est vrai qu'avoir son pack de lait dans le frigo, ça a du bon. D'ailleurs, c'est pas Saint Thomas qui disait que le plus grand bienfait de l'humanité, c'était la civilisation. C'est vrai. La voirie, les théâtres, les églises, le chauffage central, toute l'organisation de la société pour vivre, ça a du bon aussi. Ma foi, c'est bien triste ce soir. À mon avis, le verre, ça risque de faire un peu trop sombre ici. Les Dolomites, ça doit être un peu comme l'Écosse, non?
doit y avoir des vaches et des moutons. Il ne manque plus que la musique. Vous êtes au volant de la voiture rouge qui aborde le carrefour. La Fédération française de gymnastique recherche pour son siège. La maison du roi s'étend sur 40 000 mètres carrés. Elle s'organise autour de trois cours de dimension décroissante. La salle de François Panana s'élève lors de la maison du roi. À Pagliuca, ça va être le premier d'une séance toujours terrible, la séance de tir au but, premier pénalty de la séance, et ça fait 1-0 pour la France, et c'est Roberto Baggio qui va venir défier Fabien Barthez. Roberto Baggio, ça passe ou ça casse? Roberto Baggio, oui, un but partout. Lissarassou maintenant face à Pagliuca. Elle doit paraître petite, la cage, dans ces moments-là. Il a fait intérieur du pied, ballon capté par Gianluca Pagliuca. Eh oui, on dit toujours, quand on est fatigué, il faut frapper. Demetrio Albertini face à Barthez. Et là, c'est balle de break pour l'Italie. Albertini, Barthez. Oui. Pour l'équipe de France. Ouais, 2-2. Oh. Ce sera Thierry Henry, le quatrième tireur français. Ça part bien et ça marque. 3-2. C'est pas encore balle de match pour la France. Ah non, non. Mais on se rapproche. En haut et fort, c'est pareil. Laurent Blanc face à Pagliuca. Oui. Ah, voilà la balle de match. Alors là, voilà la balle de match. Di Biagio, lui, il a fait ses comptes. S'il manque son coup de pied au but, si Barthez l'arrête, la France jouera les demi-finales. Di Biagio, c'est fini. La barre transversale qui renvoie la frappe de Di Biagio. Une margarita, deux siciliennes, une calzone et 4 fanta orange. C'est ici. Ma figlia d'en a paura quando t'ha dato quello sinistro. L'hai sentito? Mi sembrava di combattere con l'ombra, non lo vedeva neanche l'avversario. Combattevo come in allenamento. Dovevi venire pure tu, va. Sono sicuro, va. Secondo te? Sono contentissima. Diventerà campione d'Italia. Il barocco, sì, ma io mi posso di contento, solo un giorno che avrò i 5 ragazzi miei insieme a sto tavolo, tutti uniti come 5 dita della mano, eccoci, avanti sul tavolo, venire tutte quante, alla salute del mondo. Io approfitto. Successi, andiamo, senti, gira, avanti, piglia la tua mano, stasera dovremmo stare tutta allegra, e tu Vincenzo, cioè devi fare un ballo prima. Ah sì, Vincenzo, su, Vincenzo, guarda, giro. Guarda, muoriamo tutto rio. Film, no? Ah oui, non, là c'est bon, là, c'est schifo, hein. C'est à qui?
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno cuore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italiano vero. Moi, ce que j'aime pendant les camps, c'est les topos. On apprend des choses nouvelles. Puis, c'est pas désagréable de réfléchir au grand air. On confronte les points de vue. On se connaît mieux. Ce qui compte, c'est la diversité des expériences. Puis l'échange des vécus. Attends, j'ai bien eu. Ah ouais, c'est pas mal. Vas-y, moi je veux de la noix. Bon, vous voulez quoi comme parfum? Fraise. Pistache. Tout sauf des glaces à l'eau. Moi, ce que j'aime, c'est les Red Garçons. Pendant les raids. Ne croyez pas que les filles restent à ne rien faire. Elles lisent des livres. Des livres. Des livres. Elles lisent des livres. Elles lisent des livres. Elles lisent.
Quand elles visitent les villes, elles vont voir les beaux monuments. Des musées. Elles visitent des musées. Quand elles visitent les villes, elles s'intéressent à leur histoire. Elles vont à la découverte d'autres cultures. Elles se promènent dans les vieilles ruelles pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville. Elles achètent des cartes postales. Effectivement, les filles ramènent des souvenirs intéressants. Bon, pour l'Italie, par exemple, elles ont ramené des peluches en forme de glace. Non mais c'est vrai, les filles, elles vont en Italie. L'Italie, c'est le pays des glaces, on achète des peluches en forme de glace. Elles achètent des souvenirs pittoresques et pas du tout touristiques. Elles vont à la découverte d'autres cultures. Elles prennent des photographies. Elles prennent des photographies. Gros plans. Des plans larges aussi. Des photographies. Tout chaud, mais elle craint tellement l'huisseau qu'on pourrait se voir dedans. Montre. Ah ouais. Tout le monde le sait qu'il est chaud. Moi je dis, c'est pour l'aérodynamique. Ouais, vous savez, ça m'étonnerait ça, hein. À mon avis, c'est plutôt pour la mode. De toute façon, on regarde son crâne et profil exactement comme un casque de professionnel. Ouais. Et avec ses oreilles en aérofrein, il a un dispositif complet pour les montées et les descentes. Je dis, c'est profilé. À mon avis, son équipe a dû engager un designer. Ouais. Ah oui, là, c'est... S'ils ont engagé un designer, c'est plutôt Lewis Carroll, quoi. Le maître du merveilleux et de l'imaginaire. Ça m'étonnerait absolument. Non, c'est la mode, à mon avis. Ça se fait, si. Il y a toute une esthétique, ça fait en même temps, ça fait puissant. Je crois surtout qu'il a un mauvais coiffeur, ce Pantani. Les champions, c'est exigeant. Trop court ou trop long, ils font un drame. Alors le mieux, c'est de raser totalement. C'est pour ça qu'il est chauve. Quand Marco rentrait chez lui, sa maman était contente de le retrouver. Il avait forcément ses cheveux sur la tête. Pourquoi? Bah là, il pouvait pas rentrer comme ça, tout chaud. Tu vois que la maman, elle aurait été un peu... cardiaque. La maman, elle aurait été un peu choquée. C'est vrai, j'imagine. Marco! Marco! Mon fils! Oh, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, Marco? Voilà les voisines. Oh, Pantani, Pantani,
Carnet de bord de l'équipe de Nancy, mardi 18 août. Feltre nous accueille en pleine forme après notre victoire au pénalty. C'est l'exultation. Nous sommes en tête dans le concours inter-équipe et le resterons grâce à la veillée que Stan prépare d'arrache-pied. Vu l'itinéraire envisagé, nous allons pouvoir reposer nos courbatures en poule et coup de soleil cuisant. Bronzage écarlate imprévu. Point d'exclamation. À midi, comme hier et demain, au menu, des pâtes à l'italienne. Comme le dit en effet notre chef vénéré, ouvrez les guillemets, c'est pas cher, c'est pas lourd dans le sac, et ça colle pour la journée. Trois petits points, fermez les guillemets. Mais pas tant que les 8 kilos de polenta, restant du concours cuisine, que l'équipe de Strasbourg nous a gracieusement offert. Ouvrez la parenthèse, les chacals, point d'exclamation, fermez la parenthèse. Ça ne valait pas notre tiramisu au chocolat, qui nous permettra assurément de remporter le dit concours cuisine. Sous ce beau soleil, virgule, notre âme se laisse bercer par le rythme de la mandoline. Et le tempérament artiste des Italiens nous gagne tous peu à peu. Bon, allez, salut tout le monde! Ouais, salut! Tiens, Laurent, je te rends tes pinceaux. Merci.
nous allons procéder aux libations rituelles. La fin. Après la vie tonique du grand air, à nous les palais renaissance. Songez à une capitale sur pilotis. Le vaporetto pour métro, les gondoles pour taxi. Les efforts de la montagne. Et lâche-le parce que Jean-Michel. Mais il en reste bien fait. Plus de soucis pendant 3 semaines. Quel repos! Une quiétude intérieure à l'image des vierges de la Renaissance. Comme un printemps spirituel, quoi. À méditer. Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites ?
Par où t'es sorti?